Ah non, voilà les mecs, vous avez vu lui, Imam Ege. Oh, subhanallah, c'est. Hein? Ouais. Imam est gay, il se confie. Oh Je Ils ont pris le premier SDF dehors et ils l'ont pris en photo. j'ai pas compris. Il se la prend dans le cul, du coup? Bah non, vu que c'est un imam, il peut pas. Ah, ok. Attends, on va aller voir Imam et Gay. On va aller voir. À Berlin, au son Ce que d'une je comprends femme pas, c'est en imam. quoi là, C'était la ça, première fois que son les gens attirance entendaient sexuelle parler. et Attends, la voix. toi, je vais partager, toi. Oh là là, il prie sans hijab, il prend des femmes et des hommes. C'est quoi ça? Il met pas foulard. Oh non. Oh wow. Eh mais le Rêve qui mec peut aussi doit mettre un paraître foulard, non? banal aux yeux des non. Mais non, mais là, c'est que là, c'est pas possible, je suis sûr que c'est une mise en scène. Et en plus, ils sont tous alignés. Attends, attends. Ils respectent pas. Attends, attends. Musulmans, mais une image encore très rare dans le monde islamique. Parmi ses fidèles, un imam français homosexuel. Vraiment, les gars, vraiment, je crois que je vais mourir, hein. Je vais pas vivre dans ce monde, là, moi. Voilà, gros, je sais pas c'est quoi le pire entre Charles Goumi et lui. Je m'appelle Ludovic Mohamed Zahed, j'ai 45 ans. Ludovic J'ai grandi Mohamed! Attends, laisse. Attends. à Alger, principalement. Wow, quitte. Fils de. La balle perdue! Oh non, dans la chérie, pas au cas où. Mais il est pas algérien, il est français, juste il vient à Alger. Attends. C'est pas Parmi les Ah non, bah non. Je pouvais pas vous laisser. J'ai pas réussi à vous défendre, désolé les frères. en Algérie. J'ai essayé de vous dissocier de lui, je peux pas. Algérie, j'avais étudié donc pendant 5 ans pour devenir imam à la madrasa. À l'époque, on avait la télévision par satellite. Wesh, imam avec un kimono. C'est quoi? Un Yakuza et donc GTRP. je voyais des émissions, il y avait des gens qui témoignaient de leur Wesh, il enseigne l'islam ou le Wing Chun, j'arrive pas à homosexualité. C'était comprendre. la première fois que j'entendais parler d'homosexualité. Donc ça m'a en partie rassuré parce que je me suis dit, bah tiens, je suis pas tout seul. Et en même temps, ça m'a stressé parce que je me suis dit quand même, ça n'est jamais nommé dans ma culture, enfin dans ma famille, mais ça a toujours été condamné. En 1995, fuyant Vous la savez que guerre pour moi, il n'est civile. pas algérien. Je vois en rien le fait qu'il soit Il n'est pas algérien. algérien, frérot. Non, Oui, mais vraiment, il genre n'a même aucun pigment. physiquement, genre même très Ouais, voilà. physique. Je me dis, pour moi, c'est juste qu'ils l'ont rajouté pour que ça fasse polémique. Mais pour moi, il n'a Ouais, rien. ils ont. Ludovic. Vous savez C'est que un c'est. complot. Vous savez que, ouais, vous savez que wallah, c'est possible que ça soit un complot. On lui donne une fausse nationalité pour que ça fasse polémique et tout. Hein. C'est possible. Hein. Mohamed Zahed et sa Ludovic, famille émigrent. ça se vend pas. Après, comme c'est possible qu'il est vraiment algérien. Mais bon. En France. Ouais, mais elle fout quoi, la meuf, Non, là? mais attends, attends. Mais là, il prend, on dirait une église, le truc. Ouais, Quand je on dirait suis un venu yoga, à frère, c'est quoi ça? Marseille, t'es ma frère. c'est T'es moi vraiment comment tu veux? compliqué pendant T'es ma frère, 2 ans. ses pieds, fait Et quoi? après 7 ans Mais là, plus une de kippa, frère. spiritualité, et ensuite d'études islamiques, je Bah, n'y bah tiens, crois laisse pas. tomber, frère. Attends, attends. Voilà, Mousse, il a le don de parler quand même, le mec qui parle. Je ne pensais pas, Attends. j'essayais de surtout ne pas penser à ma sexualité. Donc, concilier les deux, ça s'est avéré impossible à l'époque. Parce que je n'avais qu'une représentation très homophobe de l'islam, en fait. Et c'est un peu à l'âge de 30 ans, Et je me suis dit, tiens, j'ai perdu quelque chose que j'avais à l'adolescence. Ce côté très émerveillé du monde, très passionné par la vie, par la connaissance, par les autres. C'est comme ça que je suis revenu vers la spiritualité, par le biais du bouddhisme, la méditation. parfois Ça m'a beaucoup aidé, aujourd'hui encore. Et ensuite par le christianisme, en faisant partie d'une association qui nous accueillait à l'époque en tant qu'homosexuels musulmans, jusqu'à ce qu'ils nous aient aidés en 2010 à fonder notre propre association d'homosexuels musulmans de France, HM2F. L'idée, c'était de déconstruire les préjugés, les tensions, les idéologies fascisantes depuis l'intérieur de l'islam. Nous réapproprier cette tradition, ces textes, les redécouvrir finalement. Moi, j'ai découvert des traditions qui nous parlaient d'hommes efféminés, de femmes masculines. Donc,
Le professeur Hortem, il dit mot pour mot. Les gens, Comment ça, homme et féminin, ce petit bâtard là? Non, mais les gars, c'est pas ça le pire, vous avez pas entendu ce qu'il a dit avant? Il a dit quoi avant? Remets, tu vas voir, c'est une dinguerie, Starfall là. Il a dit en gros à Attends. moitié modifié et tout. Attends. Ta spiritualité par le biais du bouddhisme, la méditation. Ah, c'est comme ça que je suis revenu vers T'as pas entendu ça? Par le biais du bouddhisme, la méditation. Mais attends, mais il mélange toutes les religions, ce mec, ça, là, ça. Il fait quoi là? Hey, y a pas des clippers là dans le chat là? S'il vous plaît, y a pas des clippers, je fais des TikTok aujourd'hui. Si, voilà, Balti, j'en ai trouvé 4 pour toi, ils vont faire que des trucs positifs pour toi, je leur ai dit. ZQ, t'es là? ZQ, t'es chaud ou pas, ZQ? Ok, Younes, ajoutez Discord. Ajoutez Discord. Ajoutez-moi Discord. Attendez, on va continuer, mais là, c'est terrible, frère. Ça doit être un shit. Ah non, ça doit être un agent du Mossad. Ouais, je vois, Regarde, Raya, il a écrit quoi? J'ai mis dans le groupe là mon Discord. Oh. Attends. Toc. Qui veut Zekio, t'es là ou pas Zekio? Zekio, on va voir DM. Zekio. Dans le chat, vous êtes en roue libre. Attendez, dès que je t'envoie un DM. Je suis choqué sa mère. Parce qu'en fait, t'as vu, ça c'est un excès des dégarements, c'est. C'est. Waouh! Je sais pas c'est quoi le pire entre ça et le schisme. Ils veulent modifier la religion, mon Dieu. Voilà, je. Premier degré, hein. Ils veulent la mettre à la mode, mais à la façon. T'as vu ZQDM ou pas?
Ouais. Dieu, il peut guider même les plus égarés de la terre. Oui, bien sûr, on dit pas ça, on dit pas ça. Juste, ce que je comprends pas, c'est pourquoi il prie avec des non-musulmans, des femmes, des... Des femmes pas voilées, ils prient à leur côté en plus, collés. Dès que je t'aime, frère. Vas-y. On va te revoir la vidéo, go. Ça m'a beaucoup aidé aujourd'hui encore. Et ensuite par le christianisme, en faisant partie d'une association qui nous accueillait à l'époque Mais en tant attends, mais que... qu'homosexuels Il musulmans. mélange le bouddhisme, le christianisme. Méditation, ça m'a beaucoup aidé aujourd'hui encore. Et ensuite par le christianisme, en Attends, attends, faisant attends, attends. les deux, ça s'est avéré réalité. Donc concilier les deux, ça s'est avéré impossible à l'époque, parce que je n'avais qu'une représentation très homophobe de l'islam en fait. Et c'est un peu à l'âge de 30 ans, je me suis dit, tiens, j'ai perdu quelque chose que j'avais à Wallah, avec sa tenue Jackie Chan, j'ai envie de dire. l'adolescence, ce côté très émerveillé du monde, très passionné par la vie, par la connaissance, par les autres. C'est comme ça que je suis revenu vers la spiritualité, par le biais du bouddhisme. Revenir à la spiritualité par le biais du bouddhisme. Comment tu peux dire je reviens à l'islam grâce au bouddhisme? Ça n'a pas de sens. N'a aucun sens. C'est comme si tu me disais, alors oui, j'ai commencé le football grâce au yoga. C'est quoi le rapport? La méditation, ça m'a beaucoup aidé aujourd'hui encore. Et C'est quel sunna, ça? ensuite par le christianisme, en faisant partie d'une association qui nous accueillait à l'époque en tant qu'homosexuels musulmans, jusqu'à ce qu'ils nous... Donc une association chrétienne à l'accueil des musulmans homosexuels. Mais ça n'a pas de sens, encore une fois. nous ait aidé en 2010 à fonder notre propre association d'homosexuels musulmans de France, HM2M. Ah, donc c'est une initiative de... Mais je pense qu'il a inventé pour que ça part en cacahuète entre les religions, je pense. Attention, hein. Parce que là, il a pris tous les extrêmes pour qu'il y ait de la fitna. Il a dit, je suis algérien, mais il ressemble pas du tout à un algérien. J'étais en madrasa algébra dans 5 ans. Pour moi, c'est faux. Ensuite, il dit quoi? J'ai lié au bouddhisme, c'est les chrétiens qui nous ont aidés à créer notre association pour... Je sais, voilà, j'arrive pas à comprendre son histoire de merde. L'idée, c'était de Mais déconstruire. il a rien d'algérien. Si lui, il est algérien, moi je suis congolais, frère. Il a rien du tout. Pas un trait de visage. Voilà, aucun trait de... Même un Mais si lui, Kabyle, il est algérien, moi je suis juif. même un Kabyle qui, tu vois, qui est, on va dire, qui est un peu plus clair de peau, tu sais qu'il est algérien. Je sais pas comment t'expliquer, il y a un truc. Mais là, frère, tu me dis, il est Plus, va le dire. alz... Il est tout blanc, diront, lui a retourné le cerveau. Oui, bon, rapport. C'est quoi le rapport? Je comprends pas là. Tu peux être blanc, c'est On l'a des... endormi, Les et on l'a réveillé. préjugés, les tensions, Ouais, les il abuse de idéologies ouf du fascistes complot. depuis l'intérieur de l'islam. Nous réapproprier ces traditions, ces textes, les redécouvrir. Moi, j'ai découvert des traditions qui nous parlaient d'hommes efféminés, de femmes masculines, donc en arabe, mustarjila, mukhannath, donc qui pourraient être traduits par homosexuels ou personnes trans, qui auraient été accueillis, alors j'en sais rien, j'étais pas là il y a 14 siècles, mais c'est dans la tradition la plus authentique de nos textes islamiques. Ces gens-là étaient accueillis chez le prophète, paix et bénédiction sur lui, il les protégeait, il leur donnait. Alors, le premier imam qui dit paix et bénédiction sur lui. Il ne veut pas dire sallallahu alayhi wa sallam, mais je sais pas, il parle arabe, il est en Algérie, non? Du Non, travail. gros, il a dit. Ça, je l'ai découvert à ma trentaine, quoi. Quand j'ai relu tous ces textes et que j'ai essayé de Quel chercher texte? par moi-même des réponses dans nos traditions pour voir si vraiment, vraiment l'islam était homophobe.
pour affirmer nos identités, même si on ne l'a pas crié sur les toits, mais ce n'était pas le but non plus. Bah, après, on l'a fait sur YouTube. C'était pas juste symbolique, c'était vraiment très important pour nous de le faire et de dire que bah, finalement, on est là. Et qu'il faut être habitué au fait que maintenant on est visible et qu'on prendra de plus en plus part, ce qui est le cas aujourd'hui, au débat en ce qui concerne la place de l'islam dans nos sociétés. On n'était pas là pour organiser des gay pride ou mettre des pancartes féministes sur la Kaaba. Non, c'était pas le but. Je pense que j'y retournerai pas, surtout avec tout ce que j'ai dit depuis. Mais tu sais pourquoi tu y retourneras pas ? Mais tu sais ! Tu sais pourquoi, frère ? Et en même pourquoi temps... Ils vont me tuer. Le fait de... Mais parce qu'il sait qu'au final, c'est ce qu'il fait, c'est pas bien, frère. De connaître l'islam théoriquement et de l'avoir vu évoluer ces dernières décennies de manière très concrète sur le terrain, moi, ça me rassure sur le fait que ce qu'ils nous vendent, entre guillemets, c'est pas l'islam. Le fait d'être tous pareils, habillés de la même façon, en noir ou en blanc, il suffit de regarder les peintures... classique, la poésie, la littérature du monde dit arabo-berbéro-musulman depuis des siècles, c'était pas... Comment ça, berbéro, ça le pédé monochrome. Inna alhamdulillah, nahmaduhum wa nasta'inuhum wa nasta'khfiruhum, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Mais frère, on a la bibliothèque, là. Mais gros, elle a mis le même voile que Niro dans Panam Boss avec la fouine. Ouais. Pas grave, après la drill. Tolérance envers les homosexuels. Ouverture aux autres religions. C'est... Mais voilà, c'est vraiment... Vision d'un islam revisité, Ludovic Mohamed Zahed ne fait pas que la prêcher. Il l'enseigne aussi. Chaque année, il forme une demi-douzaine d'imams progressistes, hommes et femmes, c'est dangereux ça. C'est très dangereux ça. C'est interdit la réformation comme ils le disent. Hein. Là je vais vous montrer ici, il dit oui, réformer. L'innovation, c'est interdit dans l'islam. L'islam est une religion immuable. Les règles qui nous ont été données à l'époque de l'islam sont les mêmes qu'aujourd'hui. Elles ne changent pas, elles n'évoluent pas, elles ne régressent pas. Ça c'est juste un égaré. Hein. Du coup, c'est un annulatif ou c'est un péché ? Alors, Arlem, je pourrais pas te répondre, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il est garé. Ça, c'est sûr. Après, s'il est sorti de l'islam, je sais pas du tout. La formation dure 2 ans. Donc, le premier niveau, c'est... 2 ans. Surtout les bases de l'islam, en fait, revoir les piliers de l'islam, les piliers de la foi, la tradition du prophète, la tradition des autres religions. L'idée, c'est de déconstruire. Il y a un problème là. Les 5 piliers, les piliers de la foi, la tradition du prophète et la tradition des autres religions. Mais c'est quoi ça là ? Construire tous les deux, d'en faire vraiment une spiritualité émancipatrice pour tout le monde et de leur dire voilà les outils qu'on a mis en place, il faut les faire évoluer, réfléchissons ensemble et à chaque année en fait ça évolue et on s'adapte aussi au profil, à l'origine géographique des gens, certains viennent du Mexique suivant en ligne nos cours, d'autres sont d'Indonésie, d'autres sont d'Afrique du Nord, forcément ça ne sera pas la même couleur de la formation chaque année quand, avec des étudiants qui seraient que de France ou d'Europe francophone. Sometimes I'm getting nervous when people come to me and asking me what should I do here and there. And then I give some answers, not tools to find their own answers, and they're like insisting, no, but you're not answering. Like, but you have to decide for yourself. You're lazy here. Because you're just like a fast food fat. This is too easy. You have to vous décider, mais non. Decide by yourself. Nos moyens sont limités, voilà, on n'est pas l'Arabie Saoudite qui a des millions de pétrodollars à mettre dans la formation de leurs imams. Et ensuite, dispenser... Alhamdoulilah, mais encore un frérot, que t'as pas les moyens de faire ta propagande. Et leur savoir wahhabite à travers... pendant des générations. Oh là là, le terme wahhabite, encore une fois, qui sort, frère. Ils savent même pas ce que c'est, frère. Quand tu leur demandes, c'est quoi le wahhabisme ? ...à travers le monde, avec des Corans traduits dans toutes les langues. C'est quoi ? Les gens, ils disent que c'est une secte. Mais citez-moi une déviance d'Abdul Wahhab, frère.
Gros, il a juste un frère, laisse tomber. Okay. Ah, ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore mis en place. Mais si on y réfléchit, il faudrait qu'on ait des moyens équivalents. Parce que cette espèce de cancer fascisant, patriarcal, qui abreuve notre jeunesse depuis des générations des deux côtés de la Méditerranée, il va bien falloir y répondre. Et juste avec des bonnes intentions et des vieux pieux, ça ne marchera pas. Pour gagner en influence, Ludovic Mohamed, depuis plusieurs années, s'expose médiatiquement avec les risques que cela implique. ما رأيك في المخنثون الذي استقبلهم النبي عليه الصلاة والسلام في 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 بيته أمام نسائه وأبنائه؟ ما هو تفضل تفضل الشيخ أحمد تفضل. Le débat sur deux cheveux en arabe. Ils n'ont pas ils n'ont pas mis la réponse. Mais mettez la réponse. Attends, on veut voir la réponse. Comment on peut voir la réponse? Donc Shabab Talk, discussion entre jeunes. C'était très important. Parce qu'il y a une quinzaine d'années, quand on avait fait la première mosquée inclusive d'Europe à Paris, enfin tout ça, il y avait eu une fatwa d'un des membres d'Al-Azhar qui disait c'est pas vraiment des musulmans, il faut pas prier dans leur mosquée, derrière eux votre prière sera pas acceptée, comme si c'était lui qui était au paradis à faire distribuer les tickets, quoi. Donc c'était très dur de recevoir voilà ces fatwas qui disaient qu'on finalement on n'était pas des musulmans. Dans certains pays on aurait pu être condamné à mort, mais c'était très important de voir. Il a plus de sens que toi, Balchi. Alors, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que je suis pas égaré. 15 ans plus tard, ben, les mêmes, ou en tout cas des gens des mêmes institutions, avaient accepté de dialoguer avec nous. Donc c'est un début, c'est loin d'être parfait, mais en tout cas, on existait. C'est tout à fait possible de s'engager sur ces terrains-là sans être en danger, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Donc ça, ça m'a surpris moi-même. C'est vrai qu'au début, ça fait un peu bizarre de recevoir des messages de gens qui disent que vous devriez ne pas exister alors qu'ils ne vous connaissent même pas, simplement parce que vous vous affirmez. Ça questionne beaucoup. Mais les deux, trois premiers jours après ces premiers messages reçus, j'y ai plus vraiment pensé. On reste prudent. Je me tole quoi, mais il y a une traduction. On dirait un SDF, hein. Voilà, j'ai jamais vu un imam avec une cigarette électronique à la main. Voilà. Au départ, l'office devait être à Metz, mais on a trouvé une paroisse inclusive à 10 minutes de Metz, du centre-ville. Donc ça, c'est très bien, parce que parfois, les gens ne sont pas toujours prêts ou organisés ou ouverts à la question de l'interreligieux, de l'interreligieux LGBT en plus. Donc il faut y aller doucement, on est là pour essayer de faire du bien et puis de déconstruire les préjugés, pas pour rajouter des tensions dans les communautés. Donc tout doit se faire en temps et en heure. Et puis. Et ce dimanche à un office œcuménique et inclusif. Moi j'étais un peu inquiète, moi je me suis dit il va mettre sa tenue ou pas, il va mettre son chapeau ou pas. Je vous ai rien dit. Avec lui, une pasteur féministe mais chrétiens. Hein, le représentant des juifs gays de Paris. Oh, mais c'est quoi ça? C'est quoi ce monde-là? Avec lui, une pasteur féministe engagée. Oh la D! RAS. On n'est pas les seuls à être concerné, visiblement. Le représentant des juifs gays de Paris. Wow. Et un aumônier. Lui, il est vraiment intouchable. Lui, il est intouchable. Catholique homosexuel. Hein? Le tout sous la houlette du pasteur de la paroisse. Un noir gay. Un chrétien gay. Un juif gay, un musulman gay, imam gay. Tout le monde. Mais là, ils ont tout fait pour que ce soit bizarre. La guerre, ils veulent une guerre. Tu les connais, les... Les quantiques? Ah non, mais je...
Parfois, je fais les paroles, mais pas toujours. Pour moi, le dialogue interreligieux, ce n'est pas juste pour faire joli. Ça m'apprend beaucoup de choses, comme ce week-end de la Metz, alors actuellement. C'est, pour moi, c'est très, très important. C'est de, en général, c'est de très belles cérémonies. La liturgie est multifacette, en fait. Chacun apporte une partie de sa tradition, la met en commun. Wow. C'est vraiment le symbole du fait que Dieu est unique et le divin, quelle que soit la représentation ou le nom qu'on donne au divin, il est le même pour tous. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Mais attends, mais là, il a dit quoi là? Regardez qui a la khutbah. Attends qu'il n'y a de Dieu que le divin, l'universel, sans associé, et que Mahomet est l'un de. Mahomet. Ah ouais non mais là. Les gars, je vais tabasser ma daronne, je crois. Divin. L'universel, sans associé, et que Mahomet. Il est payé. Un agent du Mossad. On veut nous nuire, les gars. Abduhu wa rasuluh. Nous attestons qu'il n'y a de Dieu que le divin, l'universel, sans associé, et que Mahomet est. Non, non. Voilà. Tu prends la note qu'il a été payé par l'État français. Oui. Pour ça, je vous jure, je suis prêt. Alors, il va être invité dans tous les plateaux. Dès qu'on aura un truc sur ça, on va l'appeler lui. Et l'un de ses messagers. J'aimerais remercier l'association Couleur Gay et tous ceux et celles et autres qui ont participé à l'organisation de cette rencontre, haute en couleurs, une rencontre pétrie de diversité, d'inclusivité et d'empathie. Dieu est le plus savant. Wallahu a'lam. Amen. Merci à l'imam Ludovic Mohamed Zahed pour cette louange et je nous invite à nous lever et à chanter ensemble notre premier cantique « Nos cœurs te chantent ». Oh, il chante et tout, mais c'est quoi ce délire là? Mais on dirait un épisode de South Park. J'ai jamais vu ça de même. Terme au sens de on vit ensemble, on prie ensemble, mais on discute ensemble. Ces images, je les comprends pas. Ensemble après ces cérémonies là, donc c'est vraiment la réalisation dans notre quotidien d'un idéal dont on a rêvé parfois pendant des décennies. Amen. En fait, c'est triste en vrai. D'être perdu comme ça. Merci pour ces belles au revoir sur la route du Seigneur encore. On va continuer. Ah oui, oui. Ah oui, oui. Ça ne fait que commencer, j'ai l'impression. On est bien lancé, hein. Le culte aujourd'hui? Oui. Oh, moi, je suis d'accord. Moi, alors là, moi, ça ne me dérange pas du tout. Chacun a le droit de mener sa vie comme il l'entend, comme il le veut, comme il le souhaite. L'essentiel, c'est qu'il soit heureux. Très enrichissant. Vraiment, c'est quelque chose qui remet du bon au cœur. C'est ce qui me plaît, c'est comme ça que je vois le monde, quoi. Si on pouvait tous vivre ensemble, c'est pourtant pas compliqué, la preuve. Au-delà du dialogue interreligieux qui l'amène à parcourir la France, Ludovic Mohamed Zahed travaille au quotidien à Marseille. Où exactement à Marseille ? Il y a une dizaine d'années, l'imam a créé ici un endroit unique, à l'abri des regards. L'Institut Calem, un deux pièces étroit et petit extérieur au cœur de la ville, pour tous ceux qui veulent prier, étudier, se former ou tout simplement partager leurs expériences de vie. Bienvenue à l'Institut Calem. Là, ce déjeuner, c'est surtout pour déjà vous accueillir. C'est une des activités conviviales qu'on organise. Comme on l'a dit tout à l'heure, je vous ai fait passer donc les programmes du Festival de Marseille et de la Pride Marseille avec lesquels on travaille durant cette semaine d'activité, etc. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas.
puis servez-vous à boire et à manger, faites comme chez vous. Le fait qu'il y ait des gens de tous horizons, avec des identités très diverses, qui se rencontrent ici, qui échangent de tout, sans tabou, sans préjugés, sans jugement, ça fait partie des règles du partage, comme on les appelle à l'Institut. Nous, on met à la disposition de notre communauté cet espace, mais ensuite, c'est les gens qui en font quelque chose de très, très intéressant. Et ça surprend pas mal de gens qui nous disent « Ah, mais c'est véritablement inclusif ». Le poids de la famille, c'est lourd. Hein. Franchement, de savoir que ta famille te pose toujours des questions, genre, t'as 27 ans, mon fils. Nous, au bled, on va dire quoi? Quand j'étais jeune, moi, ma mère, elle m'a dit, je vais dire au bled que tu t'es fait renverser. Et ça c'est vexant. Ouais, genre, j'ai été renversé, je suis mort, là, c'est fini. Ouais. Ils ont mélangé les trois et j'étais très croyante et très pratiquante. Ouais. Et quand j'ai appelé ma mère et lui dit « Maman, viol, je fais quoi ?» Elle m'a dit bah, « C'est ton mari dans la religion, il a le droit. » Sauf qu'il a... Vas-y, viol. Vas-y, qu'est-ce que tu racontes, frère? C'est quoi ça, là? C'est quoi ça, là? On nage en plein délire. Mais wesh, on n'a rien dit depuis tout à l'heure, là. On a enchaîné avec un imam gay, premier imam de France qui tient une mosquée LGBT, on n'a rien dit. On a vu ensuite qu'il va dans des, il fait des khutbas à des kofars et il prie des non-musulmans et des femmes non-voilées pieds côte à côte. Ensuite, on voit qu'il fait une khutbah dans une église avec le premier catholique de France homosexuel qui ensuite fait une vidéo associée au premier juif chef des juifs gays de France et tout ça arbitré par un noir gay, un curé. Et quand il jette, il dit Mahomet. Non. Voilà, c'est terrible. On dirait un épisode de South Park. Ça n'a aucun sens, mon frère. Une caméra cachée. Et il y a des gens, parce que ça, c'est la gauche. Je suis pas en train de dire pour voter la droite. J'emmerde la droite comme j'emmerde la gauche. Mais quand vous voyez, quand vous dites, ouais, votez la gauche et tout, vous allez voter pour des gens comme ça, qui vont être payés, financés et mis en avant. Ces gens-là, si un jour la gauche, elle passe... Ça s'appelle les wokistes. C'est les maîtres de la bid'a, les maîtres de l'innovation, c'est les réformistes en... Tu vois, eux, ils arrivent à l'État, ils vont être mis en avant comme jamais. Des propagandes comme jamais. Financés comme jamais. Eux, ils vont détruire vos enfants, frère. Wallah. Donc tous les streamers musulmans qui nous ont dit « Ouais, votez, eux là, vos petits-petits-enfants, quand ils vont avoir des cornes sur la tête... avec des zizi sur le bide, hein, et des seins sur les fesses, vous serez responsable, hein, vous aurez une part de responsabilité. Ça commence à bien faire, frère. Hadjar a 27 ans. Merci, Putsch. Je veux ton enfant. Merci, Putsch. Merci, Putsch, TW pour le sub. Merci, mon frère. En France, depuis l'âge de 10 ans. Musulmane, elle a beaucoup lutté pour s'affirmer en tant que femme libre au sein d'une famille très conservatrice. Ce combat-là, c'est pas qu'on se sent obligé de s'y impliquer, c'est qu'il s'impose à nous. Donc on n'a pas vraiment le choix. Il nous s'impose à nous parce qu'on a envie de changer les choses pour les générations à venir. Ah, j'ai pas envie de leur laisser un monde sans compréhension. Mais qui est-ce qui me raconte Mais ouais, elle s'appelle Hajar, elle. Mais si elle s'appelle Hajar, moi je m'appelle, Francis. C'est des... tatoué, mais là, ça n'a rien d'un musulman, ça, physiquement. Non, mais là, je vais faire un tweet, là. Voilà, c'est terrible. On va résumer juste ce qu'on a vu. Amen. Il ramène où? Non, amen.
en disant Mahomet et Amen. Genre à la fin, au lieu de dire Amin, il a dit Amen. On dit Wallah, il a dit Amen. Wallah, il a dit Amen. Mais dites Wallah, il a dit Amen, Amen. D'ailleurs, c'est une dinguerie. Comment ça, un catholique juif? Je me mets dans la merde, mais quelle merde, mais c'est la vidéo, c'est vrai ou c'est pas vrai? Je me mets dans la merde. Là, il y a tous les juifs, tous les chrétiens, tous les musulmans, ils vont être d'accord avec moi. Même les Romains, c'est pas Baltic 1, 25, les gars, il y a une vidéo. Et Balti lâche une phrase comme quoi il veut changer la religion, genre il l'avait dit au début. Ouais, je l'ai dit à la fin. Ah ouais, parce que... Non, je vais mettre la vidéo, parce que voilà, c'est de la pub. Juste en parler comme ça. Après, Balchi, tu peux pas trop le reprocher d'avoir voté pour la gauche. Hein. Si, normalement, on vote pas. Alors, si tu votes pas, c'est la droite qui passe alors. Non, on vote pas. On est... Ça veut pas dire que... Moi, il me semble, qui... il me semble qu'on doit voter pour le moins pire, il me semble. Mais les deux, c'est le pire, elle en veut comment? Non, frère, il y en a un qui est pire malgré tout. Tu vois, au contraire. Bah, alors, la gauche, c'est la pire, c'est pire que la droite alors. Ah bon? Ouais. Bah, oui, bah c'est gros. Oui. La droite, elle dit casse-toi avec ton voile. Et la gauche, elle dit on modifie ton voile. En fait, vaut mieux avoir quelqu'un qui soit franc directement, strict, que quelqu'un qui essaye de dévier. C'est une dinguerie, cousin. Perso, je vote pour celui qui fera du mal le plus tard possible. Si tu votes la droite directe, ça va impacter nos femmes alors que la gauche faudra des années pour modeler l'islam. Donc je préfère voter à gauche. Bah non, parce que ta décision, ce sera pas toi qui sera impacté par ta décision, mais tes petits-enfants. Donc c'était, mais la c'est... droite, c'est direct la droite. Bah casse-toi. La droite, c'est plus voile. Oui, mais casse-toi. Mais casse-toi. Il y a des gens qui n'ont pas les moyens actuellement de se casser. Oui, mais frère, c'est pas... c'est... Tu les enterres, ceux-là. Tu peux faire passer la droite tout en faisant en sorte que le voile, il soit pas interdit, frère. Eh, gros, le voile, ils vont pas l'interdire comme ça, cousin. Le voile, ils vont pas l'interdire comme ça. Non, frère, eh, gros, arrête. T'as vu, si demain, ils interdisent le voile en France, ça va partir en cacahuète. Non, mais ils vont l'interdire déjà, c'est sûr. Non. Dans les écoles, cas, dans les universités, t'as vu dans les universités? Ouais. Dans les écoles, dans les universités, dans les lycées, ils vont tout faire. Même dans le travail, t'as vu? Ils vont tout faire. Mais dehors, ils pourront pas faire. Ça va partir en cacahuète. Ils le tapent, frère, ils sont pas bêtes, hein. Ça part en guerre. Ça va partir en cacahuète, frère. Ça va être une polémique internationale, exactement, frère. La daronne, frère. Oui, mais... Ils vont tout le temps faire passer des lois contre les musulmans et tout ça. Oui, mais en gros, pendant 5 ans minimum, ça va être invivable, tu vois. C'est directement, tu vois, tu vas être impacté dans la vie de tous les jours. Alors que si tu votes la gauche, c'est. Même si le vote passe et que le voile est interdit, dans les faits, tu pourras jamais l'interdire. On peut pas mettre un policier derrière chaque voile. Bah oui, frère. Et même dans tous les cas, gros, en fait, t'as vu, je t'explique. Tu préfères laisser une bombe devenir de plus en plus dangereuse et qui va être le résultat va être catastrophique, va exploser partout, ou la désamorcer maintenant? Non, mais c'est pas la même chose. En gros, pour moi, c'est un choix égoïste. Wallah, voter la gauche, c'est un choix égoïste. Wallah.
Non, mais non, parce que t'as vu, on vote la gauche, mais après, t'as vu, on sait pas. Moi, je préfère aucune ils des vont deux. Pas rester, ils vont pas rester 100 ans au pouvoir. Moi, je profite pas. Aucune. Moi, je profite. Je préfère aucune des deux. Je dis juste que les mecs, si vous voulez, la meilleure option, c'est ni la droite, ni la gauche, ni l'extrême truc, c'est la hijra. C'est ça, mon parti. Mon oui, parti. Il y a des gens qui ne peuvent pas. Oui, d'accord, bah frérot, dans ces cas-là, tout ça. Bon, quand on les aide, tu vois, c'est tout ce que je peux dire. C'est, voilà, c'est tout ce que je peux dire. Non, il faut trouver une solution pour tout le monde. Bah non, frérot, quand on les guide, c'est tout ce que j'ai à dire, frère. C'est tout, je veux. Quand on les guide et les aide, c'est tout, frère. Tu vois, malheureusement, c'est comme ça. En tout cas, moi, j'ai pas envie d'être responsable, t'as vu? J'ai pas envie d'être responsable de potentiel égaré à l'avenir. Mais là, la droite, mais là, si tu votes pas, ce sera, imagine les musulmans ne votent pas. Ce sera sûr que c'est la droite qui passe. Et si la droite passe, ben. C'est fini, quoi. Eh, gros, c'est juste que toi, tu vois trop le truc dramatique. Tu vois, non, en mode, ouais. Tu sais pas de quoi ils sont capables. Frère, ils vont faire pour nuire aux musulmans. Façon, toutes les initiatives prises par l'État envers l'islam, elle est à l'opposé de l'islam. Ok? Toute initiative prise pour l'islam par l'État français est à l'opposé de l'islam. Ou une déviance de l'islam. J'ai pas envie d'avoir de la gauche. Je préfère qu'ils prennent aucune initiative.